Thank you.
Merci, merci beaucoup, bonsoir. Le groupe Paris Washboard est particulièrement heureux d'être enfin à Saint-Raphaël. C'est la première fois que nous venons. Et donc un grand merci aux organisateurs qui ont bien voulu nous inviter et nous donner la chance de jouer pour vous ce soir. Alors, le groupe vient de Paris, hein, Paris Washboard. Paris, donc, c'est notre ville d'origine, c'est dans la banlieue, là, un petit peu plus haut. Ça va vite, on y est vite. Et puis Washboard, alors Washboard, c'est l'instrument traditionnel qui est un peu symbolique de la Nouvelle-Orléans et donc du répertoire que nous jouons. C'est une planche à laver, Washboard en anglais, ça veut dire planche à laver, c'est une vraie planche à laver que l'on joue avec des dés à coudre au bout des doigts. Et notre joueur de Washboard, c'est Gérard Bagot. Voilà. À la clarinette, c'est Alain Marquet. Au trombone, Daniel Barda. Et notre pianiste, qui est déjà un pianiste de légende, puisqu'il a été le pianiste de Sidney Bechet. Il a joué donc dans l'orchestre de Claude Luther, à l'époque de Sidney Bechet, donc il a été le pianiste, et c'est lui qui a fait tous les enregistrements que vous connaissez de Sidney Bechet dans les années 50. Eh bien, il est là, il est avec nous, c'est Christian Azzi. Voilà, notre répertoire a une petite préférence pour les compositions des grands pianistes des années 20 et 30, en gros. Je pense particulièrement à Fats Waller, James P. Johnson, Jelly Roll Morton, j'en oublie certainement, Duke Ellington également. Et donc nous allons vous jouer pas mal de morceaux composés par ces grands compositeurs. Le premier morceau que nous avons joué s'appelait I Never Knew, et nous allons vous jouer maintenant un morceau qui date à peu près des années 25, ça s'intitule « Somebody Stole My Gal ». Thank you.
Un petit rapide maintenant où on se repose un peu. ça va venir. On va vous jouer maintenant une très jolie mélodie composée par Fats Waller. Alors voilà, c'est un de ces pianistes que nous aimons bien, qui était d'ailleurs un grand génie du début de ce siècle, du siècle dernier plutôt, et qui a composé énormément de jolis morceaux. Tu vas aller te mettre à ta place là. Eh oh! Donc voici une très jolie mélodie de Fats Waller qui s'appelle Keeping Out of Mischief Now.
merci beaucoup. Et c'est un morceau maintenant que nous aimons bien qui s'intitule If Dreams Come True.
Merci, merci beaucoup. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette musique, c'est que finalement, vous voyez, nous en tout cas, on ne s'en lasse pas. Ça fait 18 ans que le groupe existe, 19 ans, presque 20 ans d'ailleurs, que ce groupe existe. Et nous jouons, nous avons évidemment un répertoire très vaste, mais il y a beaucoup de morceaux que nous avons du plaisir à jouer et à rejouer. Et j'espère que vous allez partager avec nous ce plaisir. Nous allons vous jouer un morceau qui est très célèbre, puisqu'il a été composé par Duke Ellington. Nous le jouons presque à tous nos concerts, un peu partout, à droite et à gauche. La semaine dernière, nous l'avons joué au Venezuela. On était en tournée dans les villes du Venezuela. Et puis, c'est toujours avec un plaisir immense que nous jouons ce morceau, vous allez voir. Ça s'appelle Mood Indigo. Thank you.
Merci beaucoup. Et bien, puisque nous sommes avec Duke Ellington, restons-y quelques instants encore avec une autre de ses compositions qui s'intitule Rose of the Rio Grande. Thank you.
Merci, merci beaucoup. Merci. Le petit secret, en fait, de notre enthousiasme permanent dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il est assez simple. Il vient de l'improvisation. Parce que nous improvisons toujours dans chaque morceau. Vous l'avez remarqué, d'abord on joue le thème, puis on improvise. Et les improvisations ne sont jamais les mêmes. Elles sont toujours différentes. Si on joue deux fois de suite le même morceau, il sera complètement différent chaque fois. Ce qui veut dire que chaque fois que nous commençons un morceau, nous partons pour une nouvelle aventure. Voilà. Donc c'est ça qui, en fait, est le vrai secret de l'enthousiasme qu'on peut garder avec cette musique, dont nous avons entendu dire de temps en temps qu'elle était désuète et pas plus à la mode, démodée. Eh bien non, au contraire, elle va bien, elle se porte bien. Merci. Voilà. Et pour fêter ça, nous allons vous jouer un morceau très célèbre, très très célèbre, très connu, que vous connaissez sûrement, qui est une composition de George Gershwin, que nous avons joué vraiment, vraiment partout à travers le monde, et que nos publics, grande chance pour nous, ont toujours écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir, je crois. Voici Summertime. Thank you.
Merci, merci beaucoup. Et bien puisque nous avons la grande chance d'avoir avec nous notre pianiste Christian Hazy, nous allons vous laisser quelques instants avec lui pour un solo de piano qu'il va vous interpréter. Et il s'agit encore d'un morceau de George Gershwin qui s'intitule « Liza ». Nous en arrivons à la chanson thème de la soirée, car vous savez qu'il y avait un thème pour les morceaux concurrents, un thème presque imposé. Eh bien, nous allons vous jouer aussi notre version de ce morceau qui s'intitule, comme vous le savez sans doute, « I wish I could shimmy like my sister Kate », ce qui veut dire « J'aimerais savoir danser le shimmy, comme le sait ou comme le fait ma sœur Catherine ». Alors, qu'est-ce que c'était que le shimmy? Eh bien, le shimmy, nous nous sommes laissé dire que, d'abord, le shimmy était une danse qui était très à la mode dans les années 1917, 18, 19, 20. D'ailleurs, ce morceau date de 1918. Et, bon, c'était une danse qui n'était pas une danse très correcte.
C'était une danse dite lascive, qui était d'ailleurs condamnée par les bonnes mœurs à l'époque. On dansait ça dans les endroits sombres de la Nouvelle-Orléans, et nous nous sommes laissés dire que chimie était une déformation créole, tout simplement, du mot chemise, et que les dames devaient danser cette danse sans leur chemise. Chimney like my sister, I mean, chimney.
Merci, merci beaucoup. Voici maintenant un morceau qui s'intitule I Would Do Anything For You. Thank you.
Merci beaucoup. Ben, nous arrivons donc à la fin de ce concert. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, nous allons vous jouer le dernier morceau. Mais avant, je voudrais dire un grand merci encore une fois à tous les organisateurs de ce festival et de ce concours d'ailleurs, puisque nous avons entendu de très très beaux orchestres ce soir. Et puis, remercier aussi nos amis et techniciens du son qui ont fait un très très beau travail et on peut les applaudir. Merci beaucoup. Voilà, et nous allons donc vous jouer un morceau qui s'intitule Just One of Those Things.
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous procurer un de nos CD parce que nous avons enregistré déjà depuis 18 ans, nous avons enregistré 12 CD. Malheureusement, ils sont produits aux États-Unis et fabriqués aux États-Unis et ils ne sont pas distribués en France. Donc nous les avons ici, nous en avons 8 différents. Vous pourrez faire votre choix là-dedans. Si vous le souhaitez, nous vous les proposerons juste après le concert ici au coin. Et en tout cas, merci de votre accueil, merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir partagé ce moment musical avec nous. Donc nous allons vous jouer encore un petit morceau pour finir avant de partir. Thank you.
Merci au Paris Washburn.
Bertrand pour cette remarquable leçon de swing.